Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier canson du 25 avril 2023. Je suis ravi de vous retrouver pour ces fleurs à l'aquarelle. Voilà, donc le temps que tout le monde s'installe, se connecte, je vais vous présenter le matériel. N'hésitez pas par des petits commentaires de me dire si vous m'entendez bien et si vous voyez bien tout le dispositif. Voilà, et je remercie Claire qui va nous accompagner comme chaque fois, et qui pourra répondre à vos questions. Je répondrai aussi à vos questions le plus possible en regardant les commentaires. Voilà, donc dites-moi si vous entendez bien et si vous voyez bien à l'image. Voilà, je vais faire un petit descriptif du matériel et dites-moi en même temps si on entend bien. Merci Marie, merci beaucoup. Tout est bien, Mireille, ben parfait alors. Donc nous allons faire des fleurs à l'aquarelle aujourd'hui. Et comme je l'ai dit dans le descriptif, on va les faire sans dessin. C'est-à-dire qu'on va essayer de peindre en dessinant, ou de dessiner en peignant. C'est-à-dire que ça va être une manière à la fois très intuitive, mais avec quand même des petites subtilités, vous verrez, dans le mélange des couleurs, et surtout dans la disposition, dans le processus sur comment amener les couleurs sur la feuille, sur ce support qui va nous permettre de faire vraiment des effets très très intéressants et très variés avec un minimum de moyens. Donc là, vous avez le modèle que vous avez vu sur le descriptif. Hop, je regarde, parfait. Bon, ben ça va, très bien, tout se passe bien. Alors, dans le matériel utilisé aujourd'hui, ça va être du papier canson 300 grammes Montval. Alors là, j'ai pris un pour les besoins il existe dans plusieurs formats. Et là, j'ai pris un format A3 pour les besoins de la vidéo pour que ça soit bien visible pour vous. Donc un papier, on le verra, très résistant, qui à la fois absorbe bien l'humidité, mais qui la retient, et on va pouvoir faire des effets justement, on va pouvoir remettre de l'eau, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ben, des repentirs, on va pouvoir revenir, etc., et travailler longtemps tout en gardant l'éclat des couleurs. Ces couleurs vont se trouver dans cette petite boîte d'Alain René, un petit set, travel set Aquafine, voilà, set de voyage, je vous le montre de plus près. Voilà, j'en ai un d'ouvert. Voilà, celui-là, j'en ai plusieurs, mais celui-là, et je vais l'ouvrir devant vous, comme ça, c'est un petit set. Voilà. Hop. Voilà, donc un petit set de voyage qui est très très pratique. On a nos couleurs. Voilà. Donc notre petit bloc, et vous avez un petit pinceau à l'intérieur. Voilà, donc notre petit set de voyage d'Alain René Aquafine. Bonjour des Hauts-de-France, bonjour, bonjour du Perche. Très très bien, bonjour du 64 aussi. Ben, bonjour à tous, bienvenue. Et je vais utiliser aujourd'hui des pinceaux. Voilà. De chez Princeton, Deptune et Aqua Edit. Alors moi je vais utiliser un de chaque, et c'est vendu dans des petits sets. Et honnêtement, depuis qu'on fait ces ateliers, que je collabore avec toutes les équipes de Canson, que ce soit au niveau papier, tous les produits, j'avoue que ces pinceaux, j'utilise plus que ça, hein, vraiment. C'est en poils synthétiques, mais il y a une tenue, ça garde l'eau, c'est moins fragile que les poils de marbre, qui sont d'excellents pinceaux, et il existe d'excellents pinceaux à poils de marbre, mais pour un budget, on va dire, raisonnable, on a une qualité exceptionnelle. Et d'ailleurs, j'ai réalisé beaucoup d'aquarelles avec ces pinceaux-là. Donc quand ils sont neufs, comme ça, vous mettez un petit peu d'eau et vous arrivez à les faire comme ça. Donc là, moi, je vais utiliser de chez Princeton Neptune, donc cette petite gamme, c'est avec les manches en bois la plus claire. De chez Neptune, numéro 4, round. Voilà, ça va être pour les petits détails. Et pour des zones un peu plus grandes, je vais utiliser de chez Aqua Elite. Donc là, c'est le manche noir. Un numéro 8, round aussi, comme ça. Et vous avez des petits sets. Alors, vous voyez, là, il y a des brosses, là, il y a des plus gros pinceaux. Peut-être que je vous montrerai. Mais en tout cas, avec ces deux pinceaux, on fait beaucoup d'effets différents. Donc, Aquafine d'Alain René, les pinceaux Neptune et notre papier canson Montval 300 grammes. Voilà, est-ce que tout le monde
Mais bonjour à tous, voilà, mais je suis ravi. Donc on va, si vous entendez bien et que vous voyez bien, on va commencer tranquillement. Voilà, et vous pouvez participer au tirage au sort pour essayer de remporter les produits décrits. Bonjour de Belgique, mais je suis ravi toujours de voir ces ateliers dépassent les frontières. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire des petits exercices tout simples qui vont nous permettre de faire un petit répertoire de formes, et je vous montrer un petit peu comment appliquer la couleur. Donc là, hop. Et tout en installant le matériel, je voulais à chaque fois remercier toute la communauté des ateliers Canson qui grandit de jour en jour. Et tout, bravo à tout ce que vous postez. Voilà, il y a de très belles choses qui sont faites. Et surtout, c'est la cohésion et les réponses entre chacun, les avis, les conseils. C'est très agréable. Voilà, donc on va commencer. Et du Québec. Eh bien, je suis ravi. C'est parti. C'est parfait, on y va. Alors, on va faire des petits exercices assez simples. Comme je vous ai dit, on ne va pas se servir d'un crayon. Je vais vous montrer quand même où je voudrais en venir avec un crayon, mais finalement, on va y arriver. Donc, ce que vous allez faire, je pense que vous voyez bien, donc nos deux godets d'eau, ok, notre pinceau, donc là, je vais prendre le plus large, et un petit bout de sopalin. On va faire un exercice tout simple. Vous allez prendre une couleur, pour l'instant, vous allez prendre. Donc là, vous voyez, c'est du rouge plutôt vermillon. Juste à côté, c'est du carmin. On ne le voit pas à l'image, mais vous verrez que là, on est carrément dans du rose, en fait. Là, on est vraiment plutôt dans du rouge plus, un petit peu plus comme la nappe derrière. Donc vous allez prendre un petit peu de couleur. Alors, si vous ne voulez pas la déposer directement, vous en déposez un petit peu là. Okay, vous mouillez un petit peu, etc. Et là, vous allez simplement faire, vous mouillez bien le pinceau. Vous allez faire une forme, une tache tout simplement, et vous essayez de ne pas revenir dessus. Et vous faites une autre tache à côté, sans que ça se touche. Revenez le moins possible et faites des petites. Et à côté, vous refaites des petites taches et vous essayez de laisser un petit peu de blanc entre. Voilà. Okay. Votre dessin sera plus petit. Et tout à l'heure, là, je fais un énorme sujet. Voilà. Et on va laisser sécher comme ça. Finalement, c'est un jeu assez abstrait. Vous le voyez? Je pense que vous le voyez bien à l'écran. Voilà, très bien. Voilà, vous voyez ces formes, donc là ça crée une forme dessinée alors que je n'ai utilisé que le pinceau. Alors oui, c'est parce que parfois quand ça y a des petits flous quand j'avance et quand je bouge ma main. Ensuite, on va faire un autre petit exercice. Ça va nous servir pour faire des fleurs qui sont là. On va faire un autre petit exercice. Si par exemple, hop, vous allez imaginer. Regardez, vous n'êtes pas obligé de prendre un crayon, vous pouvez le faire, mais vous imaginez qu'il y a une forme. Et on va mettre de l'eau dedans. Donc là, je mets de l'eau dedans, de l'eau claire dedans, sur toute la surface. Et je suis limité par le trait de crayon. Je vais prendre la même couleur, on va prendre du carmin, regardez. Regardez la différence. Voilà, on est plutôt dans le. Et là, au lieu d'en déposer partout, la surface humide va véhiculer. Regardez ce que ça fait. Hop, voilà. Et j'en dépose juste un petit peu, par exemple, sur la base. Et vous voyez là, j'espère que vous le voyez bien à l'écran. Vous voyez comme ça se diffuse. Et donc, ça fait comme un fondu. Voilà. Et donc là, je vais vous l'approcher, mais en séchant tout à l'heure, ça sera encore plus parlant. J'essaye. Vous voyez. Et là, regardez, là, je peux jouer avec l'eau. Et ça se balade en fait.
C'est-à-dire que l'eau travaille pour moi et va faire des effets un peu aléatoires. Donc là, j'ai mis beaucoup de couleurs, il y a une petite réserve, mais en tout cas, avec le grain du papier, avec le hasard, le côté aléatoire, ça va former des formes différentes. Je peux m'amuser comme ça. Donc, là, j'ai fait un contour au crayon. Mais ce que vous pouvez faire, alors vous allez le voir chez vous, je ne sais pas dans quel environnement vous travaillez, mais si vous faites la même forme, mais sans le crayon. Donc là, moi, je suis en train de me pencher, vous ne me voyez pas, mais là, moi, j'ai un projecteur à gauche et j'ai une source de lumière à droite. Donc je vois l'endroit où c'est humide. Donc là, je pose de l'eau et vous inclinez-vous chez vous en fonction de la luminosité. Voilà. Et je vais reprendre la couleur et je vais la déposer juste là. Vous voyez comme ça part d'un coup? Hop, tac. Et là, l'avantage, c'est que ben, on ne voit pas le contour du crayon. Et on a quand même un pétale qui apparaît. Vous le voyez? Voilà. Et regardez l'effet que ça fait. Vous voyez? J'espère que ce n'est pas trop flou, mais vous voyez? Hop, ah, je peux incliner un petit peu si vous voulez. Alors ce qui va se passer, c'est que ça va faire des petites nervures, des petits trucs aléatoires. Et en séchant, on peut se dire, oh là là, mais comment tu as fait ça? Mais alors, vous pouvez dire, vous les avez fait un par un, mais en fait, non, mais c'est surtout le papier qui fait ça. Et c'est que les effets sont assez fantastiques. D'accord, voilà, exactement. Donc on s'entraîne comme ça. Donc là, vous avez vu le schéma. Et là, c'est ce qui se passe là. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse, on va en faire des comme ça, mais on va essayer de faire aussi, regardez, on va faire un petit peu comme ça. On va faire comme une petite pomme, comme ça, avec un rond au milieu. Pourquoi? Je voudrais que, tout à l'heure, vous remplissiez d'eau uniquement l'extérieur. Voilà, pas à l'intérieur de là, voilà, juste autour de la petite ellipse là, d'accord? Et à ce moment-là, on va mettre de la couleur là, ou là, etc. Et ce qui fait que la couleur ne va pas aller dans le centre là. Et vous verrez que ça sera pour faire l'intérieur d'une fleur. Je refais le même exercice, mais sans le trait de crayon. Hop, je prends de l'eau claire. Ah, il faudra bien nettoyer son pinceau pour toujours avoir de l'eau claire. Donc là, je regarde. Voilà, j'essaye de laisser l'ouverture. Vous avez compris, hein? Donc là, vous regardez. Je laisse une ouverture. En gros, là, c'est sec. Voilà. Il faut que je m'incline. Inclinez-vous chez vous. Voilà. Et le papier, il est tellement agréable à travailler, résistant, 300 grammes. Vous avez le temps de préparer votre couleur. Là, je reprends un petit peu de la couleur et je vais en déposer, par exemple, voilà, à certains endroits. Vous avez vu comme ça fait le tour d'un coup? Ouf! Voilà. Voilà. C'est assez rigolo quand même. Parce que, à la fois, ça paraît très technique. Alors, ça ne marche pas du premier coup, mais ça paraît très technique, mais il y a un côté, bah, c'est le papier qui agit sur vous. Vous le voyez? Il faut beaucoup d'eau. Bah, il faut pas que ça soit trop une piscine non plus, parce que sinon, vous voyez les effets que ça fait? Est-ce que vous le voyez bien à l'écran? Vous voyez? Voilà. Alors, pas trop d'eau non plus, mais un petit peu quand même pour que ça résiste. Voilà. Claire vous montre comment désactiver les commentaires selon si vous êtes sur un portable ou une tablette ou votre ordinateur. Et ensuite, on va faire un troisième petit exercice qui va être un mélange de couleurs pour faire la végétation. Et après, on se lancera dans le modèle directement. Donc, sur cette petite palette, vous avez la présence d'un vert qui est plutôt un vert émeraude, qui est assez, on va dire, assez froid, presque électrique. Et donc, ce que vous allez faire, je vais le faire sur l'autre palette. Je pense que vous voyez là. Vous allez prendre du jaune. Ok. Les deux jaunes, si vous voulez. Ah, celui-là est un peu sale. Je vais reprendre celui-là quand même. Soyons. Là, vous prenez votre jaune. Ok. Et vous allez rajouter une pointe de bleu. Donc là, on est pile dans les
couleur secondaire, et donc ça nous fait une couleur verte. Et plus ou moins jaune ou plus ou moins bleu, donc le vert va aller plus clair si on veut l'éclaircir vers le jaune et le foncé là. Donc là, une fois que j'ai ce petit mélange, voilà, vous allez vous entraîner tout simplement, comme si c'était de la calligraphie, mais vous allez faire juste des... Alors soit du haut vers le bas, mais vous allez comprendre comment ça va être. Par exemple, vous allez aplatir le pinceau et en remontant, affiner. Donc à la fois, vous avez une plus grosse, une plus large base et vous avez plus clair. Et ce que vous allez faire, vous allez continuer comme ça. Donc si, là je vais faire des... Vous voyez, là je rajoute du bleu, donc mon vert va devenir plus foncé. Donc si je vais du bas vers le haut, il faut que je fasse quelque chose de très fin et ces pinceaux permettent comme ça. Vous voyez que là, c'est les deux mêmes couleurs au départ, mais regardez comme ça fait deux verts différents. Alors on va rajouter. Alors là j'ai un autre bleu, un bleu outre-mer. Hein. Donc là je peux même changer un petit peu. On va essayer de trouver. Enfin, c'est sûr, vous allez voir, mais on va avoir un vert encore différent. Essayez de faire côtoyer. Alors, vous voulez revenir à ce vert-là, un peu plus, vous rajoutez du jaune. D'accord? Et là, vous pouvez vous amuser. Voilà. Vous voyez tous les verts qu'on a obtenus uniquement par le mélange juste des jaunes et des bleus. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Voilà. Je remontre de près et puis on va commencer le... Voilà. Donc là, première, on dessine juste avec le pinceau des formes un peu abstraites. Vous avez vu le processus là avec l'eau. Et là, les feuilles. Ok, c'est parti. On va commencer notre petite composition. Et ça nous fera un petit mémo. Et regardez bien ça à la fin. Là, c'est déjà sec, mais vous voyez, je vais essayer de faire un très gros plan. Peut-être ça va un petit peu... J'y vais doucement, mais est-ce que vous voyez tous les effets irisés naturels qui se font par le papier sans être obligé de les faire un par un? C'est le papier qui va agir pour vous. C'est parti. Alors, papier, donc canson 300 grammes. Comme je vous ai dit, moi j'ai pris un grand format pour pouvoir, pour qu'on voit bien. Hop, je change l'eau. Merci Joseph. Je change l'eau. Et je vais nettoyer mes deux pinceaux. Voilà, toujours nettoyer vos deux pinceaux pour avoir... Les pinceaux bien propres. Hop, voilà. D'accord. Grain fin. Oui, je le remonte. Nous sommes sur un grain fin. Vous le voyez, grain fin. Alors, il existe plusieurs qualités. Il y a des grains forts, etc. D'ailleurs, sur le site de Canson, en ce moment, il y a plein de tutos en 3-4 images. Des textes assez synthétiques pour expliquer justement les différences de papier, de texture, comment faire de mixer des techniques. Allez sur le site Canson et vous verrez plein de tutos. Donc là, hop, je vais enlever ça de ce côté-là et on va commencer par la gauche et on va aller jusqu'à la droite. Ok. Alors, je vais effacer juste ça. Je vais garder un petit peu de vert. D'accord. Donc là, on a nos fleurs, vous vous souvenez, ces fleurs-là, et on va les faire comme le premier exemple. Vous voyez, ces fleurs-là jaunes, on va les faire un petit peu comme ça, par des tâches. Alors, je ne vais pas avoir l'affront de nommer toutes ces fleurs qui existent ou qui n'existent pas, imaginaires. Je ne suis pas assez calé en fleurs, mais en tout cas, c'est pour... N'hésitez pas vous-même, si vous avez des fleurs en tête, à les dessiner. On y va ensemble. Donc là, je prends... Mon pinceau Princeton Aqua Elite numéro 8. Voilà. Et je vais commencer, pour pas que ça entrave mon mouvement, par des fleurs jaunes. Voilà. Donc, je vais prendre un jaune là, assez éclatant. Si je veux le foncer légèrement, je peux mettre une pointe, on verra tout à l'heure, de rouge, pour le transformer en jaune beaucoup plus, on appelle les cadmium, moyen et foncé, et voir vers l'oranger. D'accord? Je vais commencer par les jaunes.
Et là, on va tout simplement commencer. Voilà. Donc, n'essayez pas de faire exactement comme je fais ou comme le modèle. Laissez-vous surprendre aussi par votre composition. Mais on va commencer par les fleurs. Donc là, par exemple, on peut faire un truc très simple. C'est un début d'étoile. Très simple. Voilà. Okay. Et après, que vous faites moins régulier. Voilà. On va en faire une autre à côté. Alors, vous pouvez faire un rond et l'étoile ensuite. Alors, parfois, ça va se toucher. Moi, je vous conseille aussi de... Pas forcément que ça se touche, en fait. On est dans une représentation un peu onirique, hein, de fleurs. OK. Et on va en faire une autre là. Ni trop soleil, ni trop étoile. Voilà. C'est bon pour vous, vous le voyez? Voilà. Donc là, si vous regardez bien, c'est encore un petit peu humide. On va faire un petit effet. Je vous ai montré comment devenir orangé. Prenez une pointe de rouge là pour avoir quelque chose de légèrement plus orangé. Et comme le papier retient bien l'humidité, faites juste une pointe d'orangé au cœur. Pas trop fort. Pas forcément au milieu, mais vous pouvez, ça peut être aussi aux extrémités, mais l'eau va agir comme ça. Enfin, c'est pas trop soleil non plus. On va continuer des fleurs. Donc là, par exemple, je vais en rajouter une ici. OK. Et à côté, je vais faire des petites taches plus petites, comme si c'était des fleurs plus petites derrière. Donc, une introduction légère de perspective. Voilà. Alors si ça se touche, c'est pas grave. Si ça bave un petit peu, c'est pas grave. Vous voyez là, là j'ai beaucoup d'eau. Quelqu'un me disait qu'il y a beaucoup d'eau. Regardez là. Hop, regardez. Je montre. Beaucoup de gros plans aujourd'hui. Regardez. Hop. J'incline. Et vous voyez les fleurs qui changent d'aspect. Voilà. Vous voyez, ça joue comme ça. On reviendra avec du plus sombre tout à l'heure. On continue ces petites fleurs. Je sais pas, des fleurs bien vives. Peut-être, je sais pas, comme des jonquilles. N'hésitez pas. Les petits points, vous verrez, on en fera d'autres tout à l'heure, et notamment par petite projection. C'est bon. Voilà. Alors, le papier garde longtemps l'humidité, et on va tout de suite mettre. On adore les gros plans. Écoute, j'en ferai plus. Si ça se voit bien, l'image, c'est parfait. Donc là, vous vous souvenez, hop, notre petit répertoire de formes, là, on va en faire quelques-unes. Et vous allez voir, j'ai toujours mon verre, là. Je prends du verre, là. Je peux modifier. Et là, je vais faire des tiges. Alors, on va faire une petite astuce dès le départ. Je vais essayer de faire passer une tige derrière toutes ces fleurs. Vous voyez qu'elle passe derrière elle? On a l'impression, en fait, c'est des segments de traits. Donc, je vais faire en sorte, par exemple, de commencer là, de faire trouver un petit espace vierge entre les fleurs. Vous venez là et vous poursuivez. Voilà. Et vous allez avoir l'impression que ça passe derrière. On va le faire un autre, peut-être plus. Allez, on va le faire comme ça, pour que ça passe bien. Et si ça bave, c'est pas grave. Et puis on va continuer, on va faire quelques. Ah, vous pouvez changer, mettre un petit peu de bleu pour avoir à l'intérieur du massif de fleurs, des feuilles.
Alors, je vais faire exprès, là, je vais faire baver un petit peu, comme ça va faire des effets. Mais c'est extrêmement léger, en fait, vous voyez? Et je reviens jamais, en fait. Hop. Vous voyez tous les verres différents? Hop. Vous voyez? Hop, voilà. Et ça reste très, très léger. Voilà. Merci beaucoup, Linda. Voilà, ça reste très léger, donc on va continuer. Hop. Alors, on va en faire une dans une autre direction, hein, parce que hop, c'est une nature un petit peu sauvage. Voilà. Alors là, par exemple, là, j'ai le bas de ma jonquille, ma pseudo-jonquille. Là, je mets avec un petit peu de vert, ça va s'entremêler. Ok, mais déjà, vous avez un petit bouquet de fleurs, en fait, hein, qui est là. Tout de suite, une petite astuce, on remouillera tout à l'heure, mais si c'est un petit peu humide encore dans vos fleurs, prenez une pointe de, mais très légère, vous allez voir, très légère, un petit peu de noir, très léger mélangé à du vert. Essayez juste de mettre pour voir un petit point sombre là. Alors pourquoi un petit point sombre? Parce que justement, quand vous mettez, comment éclaircir une zone, ça on y reviendra, mais c'est le principe même du dessin et de la peinture, c'est comment rendre une surface plus claire. Quand on ne peut pas l'éclaircir plus, c'est le principe de l'aquarelle, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que la réserve, ben c'est de foncer les zones adjacentes. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, le cœur de ma fleur devient plus clair, pardon, par le cœur de ma fleur plus foncé, l'ensemble devient plus clair. D'accord? Donc là, on y va. Donc là, on va essayer de faire une jonction avec cette fleur et ces fleurs-là, donc avec toujours les mêmes couleurs. Petit conseil, si vous avez une palette restreinte, vous allez avoir une grande harmonie sur votre dessin. Alors c'est très bien d'avoir 150 couleurs, ça j'en conviens, parce que parfois il nous faut la couleur exacte. Mais si vous êtes en voyage comme ça, vous voyez que j'ai une quantité de vert infinie avec seulement un jaune, un bleu ou deux jaunes, deux bleus, alors que ils sont inclus là-dedans. Donc on va aller un petit peu, là j'avais choisi un vermillon, on va revenir là. Vous voyez, j'avais mon petit mélange jaune et rouge. Je vais augmenter le rouge, et puis on va faire notre hop, petit répertoire plutôt dans cet esprit-là. Donc, et si ça se mélange encore à des verts présents, c'est pas bien grave. Alors, d'habitude, je travaille comme ça, mais je pense que ça gêne. Je vais éviter que ça se mélange trop, mais si ça se mélange, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez faire des traits fins à côté de traits plus épais pour donner l'illusion comme si c'était des pétales. Parce que ce sont des roses. Vous pouvez faire comme des tulipes. Voilà. Et essayez de ne pas revenir trop en fait. Vous pouvez faire une tache comme ça. Et pour donner l'illusion qu'il y a une perspective, vous faites des petits traits un petit peu autour. Voilà. Faites confiance à l'imaginaire du spectateur, de votre imaginaire, mais à l'imaginaire du spectateur. D'accord? Là, j'ai rien dessiné. Je suis pas. C'est pas comme si on était des experts en botanique ou avec des planches comme ça très, très 19e, que j'adore, hein, d'ailleurs, c'est pas le problème. Mais là, l'exercice du jour, c'était vraiment de peindre en dessinant et inversement. Okay? Donc là, ça peut faire un parterre de fleurs, de tout ça. Je suis de faire une composition en ovale. Tenez, regarde, on va essayer de faire une composition en ovale un petit peu. Voilà. Bonsoir de Nice. Voilà. J'espère que je verrai c'est déjà magnifique. Mais merci, Marine. Et vous nous montrerez tout ce que je suis sûr que ça va être superbe. Je reviendrai. Je vais faire un petit peu différemment. Parce qu'il est quand même, le temps avance vite. Là, je vais faire un petit contraste de couleur chaude, couleur froide. Là, on est sur du vermillon. Là, on va obtenir sur du carmin, voire du violet. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, si vous avez une assiette chez vous en porcelaine ou une vraie palette, je vais les laisser là pour qu'on puisse les retrouver. Mais on va faire un petit mélange carmin. Alors, c'est très marrant sur les godets. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, mais entre ces deux couleurs, on dirait que c'est pratiquement la même chose, mais il y a un monde. Là, vous êtes sur du carmin, là, vous êtes sur du terre d'ombre brûlé. Donc, vous prenez cette couleur-là, vous voyez, on est carrément dans du rose, rose, pardon. Et donc là, on va essayer de se faire se côtoyer ce vermillon
et cette couleur carmin par petites touches. Voilà. Vous pouvez mettre une pointe de carmin dedans, de vermillon dans le carmin pour que. Voilà. Et les deux se mélangent. Ok. D'accord. Alors, petit répertoire de formes, on va essayer de faire ça. D'accord. Donc vous vous souvenez, si vous êtes arrivé après le début, comment j'ai expliqué ça, vous verrez en replay exactement comment je l'ai fait en gros plan, mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on nettoie bien son pinceau. Hop. Alors, on va faire des fleurs plus grosses, plus importantes là, d'accord, en premier plan. Donc là, ce que vous allez faire, vous vous souvenez, on va faire une espèce de, comme elle dit Joseph, une espèce de donut là. Hop. Donc là, penchez-vous. Je me penche pour essayer de laisser un petit ovale à l'intérieur. Ok. Et là, vous le faites assez gros. On est à peu près sur une pièce de monnaie à peu près. D'accord. Je reprends mon petit mélange et je mets juste un petit peu de couleur là. Ok. Voilà. Et vous allez voir que ça va s'arrêter uniquement. Alors, par exemple, si la base est plus foncée, vous pouvez aller là. Ok. Voilà. On va en faire une autre. Alors, vous pouvez en faire des tailles différentes, avec plus ou moins de couleurs. Voilà. Là, j'en voudrais une très, très. Je vais essayer de faire très léger là. Donc là, vous mettez vraiment très peu de couleurs. Voilà. Ok. Oui. D'accord. Oui, c'est comme ça. On va faire un troisième. Alors, on va faire. Je vais le faire sans poser l'eau, par exemple. On va voir ce que ça donne. Enfin, je sais. Vous allez voir ce que ça donne. Mais oui, la différence, c'est que quand je pose directement la couleur. Tout est déjà comme ça. Ce qui vous empêche pas, quand vous avez fait ça, de remettre de la couleur parce que c'est mouillé. Et là, vous allez avoir une fleur beaucoup plus intense. D'accord. On laisse comme ça. Vous allez voir, on va combler les vides après un petit peu tout à l'heure. Mais on a. Voilà. Je suis en train de lire un petit peu les commentaires. Voilà. Parfait. On va revenir sur une fleur, sur des fleurs un petit peu vermillon, là. Alors, on va un petit peu improviser. Voilà. On va faire quelque chose d'un peu plus violet. Voilà, on va un petit peu improviser. C'est rose, je voudrais que ça soit un peu plus violet. Donc là, vous allez prendre votre carmin. Et vous allez prendre une pointe de bleu. Alors, si vous avez du bleu céruléum, ça va faire un violet plutôt doux, un bleu outre-mer, ça va faire un bleu plutôt foncé. Alors si vous voulez voir exactement la couleur que ça donne sur un papier, vous faites un petit essai. Et là on est sur du violet, donc c'est encore différent de ça. Et si je veux foncer mon violet, je vais tomber là-dessus. D'accord? Donc, hop. Hop. Et là vous pouvez vous amuser. Là je vais le faire plus spontanément, mais... Vous pouvez vous amuser à faire des fleurs, peut-être qu'il y a en face de vous, dans votre jardin, des souvenirs de fleurs. Et là, c'est vraiment, je fais le dessin en même temps, quoi. Ok. Alors, je vais en profiter tout de suite, c'est pour ça que je vous laisse là. Je vais rajouter tout de suite un petit peu du feuillage. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous faites des petits traits qui se touchent ou qui se croisent, mais à peine, mais laissez bien du blanc entre, et comme ça, ça va donner l'illusion que ça passe. Alors, vous pouvez faire, vous allez voir si... Je vais faire un accident volontaire. Hop, vous voyez,
Là, je l'ai fait volontairement, mais souvent ça arrive, c'est-à-dire que vous mettez la tige, tout ça. On va le refaire parce que c'est, vous allez voir, en fait, c'est joli. C'est-à-dire que parfois ça fait un accident, mais regardez, ça le fait d'ailleurs quand le pétale se. Il y a une petite coloration du pétale parce qu'on a les feuilles juste derrière. Donc si ça se touche, c'est vraiment pas grave. Hein. Voilà. Mais essayez de garder ça. Donc là, essayez de faire des traits plus fins vers l'horizon. Voilà. Et faites toujours cette astuce. Hop, vous faites un arc de cercle et vous passez derrière et ça vous donne. Voilà, on va le faire pencher par exemple. Et ça vous donne l'impression que ça passe derrière. D'accord. Hop, tant que j'y suis là un petit peu là, ça manque un petit peu là. On y reviendra tout à l'heure. On va essayer de. Faites confiance aussi à votre sensibilité, à ce qui se passe. Là, un petit peu en retrait, je vais foncer. Toujours pourquoi? Parce que les bases des objets sont souvent plus foncées. Allez, on fait une petite feuille. Une petite feuille. Une autre petite feuille. Donc là, vous écrasez le pinceau. Voilà. Ça, c'est le premier truc du répertoire. On reviendra plus tard, on en fera d'autres. D'accord? Alors, vous vous souvenez un petit peu de noir, un tout petit peu. Vous pouvez en mettre à la base. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Tout petit peu de sombre. Vous voyez que ça va donner de l'éclat. L'éclat en plus, hein, c'est un rechuté, mais on va refoncer là-bas. Hop. Petit zoom. Est-ce que vous voyez? Alors, vous avez mouillé la feuille avant de commencer. Alors, oui, c'est comme, pour vous rapprocher à quelqu'un. Voilà. Comme je l'ai dit dans le petit répertoire, soit je ne mouille pas le papier et je peins directement avec le pinceau, soit. Je mouille en amont avec de l'eau claire une forme prédéfinie et je mets des pointes de couleur à l'intérieur. Voilà. D'accord? De toute façon, vous le reverrez en replay. Voilà les effets que ça fait. Vous voyez, le grain du papier donne des petites aspérités qui sont très agréables à l'œil. Voilà. Voilà. Puis ça vous fait des effets aléatoires. Oui, il y aura une rediffusion, vous inquiétez pas. Et regardez, tous les effets aléatoires, ben voilà. Hop, on va continuer tranquillement. On va essayer de faire un rond, un peu, enfin un peu un ovale comme ça. On va laisser une zone claire là pour faire une espèce de ciel, mais on verra tout à l'heure. On va continuer avec d'autres fleurs ici. Comme je fais pas exactement le sujet. On va faire des feuilles là. Tenez, on va faire des feuilles. Voilà. On va finir la composition à droite par des feuilles. Je ne vais pas faire exactement mon modèle. Comme ça donnera plus de choses. Donc là, vous vous souvenez, c'est ça, cet exercice. Répertoire de forme, celui-là. Donc là, vous lancez par exemple. Alors si vous êtes droitier ou gaucher, mais vous lancez, vous écrasez le pinceau, vous remontez. Vous voyez que ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit parce que ça devient plus fin. Là, c'est plus jeune au niveau de la plante. Puis c'est plus éclairé par le soleil. On va en faire un autre. Vous pouvez aussi commencer par le haut, mais à ce moment-là, n'écrasez pas. Vous essayez de faire le plus fin possible. Et en descendant, vous écrasez. Et vous arrêtez juste au bon moment. Donc celles-là sont très sombres. On va en profiter pour faire quelques autres. Voilà. Gardez l'arc de cercle de votre poignée et vous finissez comme ça. Voilà. Faites des côte à côte. Ok. Donc là, c'est des verts assez sombres. On va les éclaircir un petit peu. Pas de fond avant de faire l'avant-plan. Non, non, on va pas faire de fond là, on est vraiment sur du papier. Là, vous êtes typiquement, si vous êtes en vacances, ou enfin, peu importe, mais dans un jardin, vous avez un petit carnet, et vous avez un magnifique des fleurs dans un jardin que vous voulez capter en quelques secondes, vous pouvez le faire comme ça en fait. Il faut juste
juste une petite boîte d'aquarelle, un pinceau et de l'eau. Donc là, je voudrais un feuillage un peu plus jeune. Hop, je vais prendre un peu de jaune là. Je vais le mettre là. Ok. Je vais continuer mon feuillage. Ah, j'ai pas assez nettoyé mon pinceau, donc je trouve ça un peu trop jaune, un peu trop sombre. Donc n'hésitez pas à vous alterner. Des feuilles, des feuillages. Ah oui, là, là je, ben, avec le recul, je trouve que j'ai fait un verre un peu trop monotone. Vous voyez, là, grâce à l'atelier, c'est ça l'aquarelle, en fait, c'est qu'on refait jamais deux fois la même chose. Là, là, je trouve que les nuances de verre sont plus riches, en fait. Là, j'avais fait des petites taches pour faire comme des, je sais pas, des fougères, des plantes, mais on verra, c'est pas, on verra tout à l'heure. De toute façon, en affinant, quand on fera vraiment les finitions. Ok, on va garder cet aspect-là, d'accord? Donc là, vous voyez, en séchant, il y a plein de petites taches. Ah oui, alors, si vous aimez les zooms, je vais en profiter, regardez. Je sais pas si vous le voyez bien, regardez. En fait, si vous utilisez un verre pur, le vert, vous pouvez rien soustraire au vert, ni du bleu, ni du jaune, des couleurs primaires qui sont en amont. Alors que si vous fabriquez votre vert, les pigments, en se déposant, regardez, vont créer des petites choses aléatoires, des couleurs primaires en amont. Et ça, ça va donner de la richesse. Ça n'empêche parfois quand on a besoin d'un vert totalement pur, ben on prend un vert pur. Mais là, ben ça vous fait des petits accidents et des petites choses très très sympas. Et le truc, c'est que ben, les pigments sont de bonne qualité et que le papier vous permet ben, de capter ces moments de hasard. Et en séchant, ça va être une infinité de possibilités. Alors, hop, on va continuer, on va refaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Des petites, je reviens bien, peut-être un petit peu de fleurs jaunes dans le centre. Quelques, pour faire le lien en fait. Peut-être, allez, un peu plus orangé. Oui, je travaille tout à l'heure avec très très peu de couleurs. Hein. Donc on va faire des, ouais, voilà, c'est ça. On va faire des fleurs jaunes un peu plus orangées. Je les fais venir carrément orangé rouge. Oui, ce sont des petites taches en fait. Ça, on va y revenir dessus, je vous expliquerai tout à l'heure, mais justement, il faut attendre que ça sèche bien. Hop, on va faire la jonction peut-être avec un tout petit peu de carmin. Voilà. Faites confiance aussi à votre, à vos intuitions créatives, à votre imagination. Vous allez voir que l'imaginaire du regardeur, de la personne qui verra ça, va imaginer plein de choses, hein, vous allez voir. Je vous montrerai après à la fin des fleurs qui sont faites avec les mêmes systèmes. Mais beaucoup plus précise. Mais en gros, on l'a déjà vu dans tous les ateliers qu'on a fait, on est souvent sur est-ce que je suis sur papier humide ou sur papier sec, cette déclinaison. On va essayer de faire un petit pétale, vous vous souvenez, on va le faire comme ça par exemple, on va faire une petite fleur. Je vais bien d'accord, s'il te plaît. Merci. Toujours de l'eau claire, hein, parce que si vous voulez vraiment quelque chose. Alors, on va faire. Là, je fais comme une espèce de pétale, comme ça. Voilà.
de Leclerc. De Leclerc. Je fais la jonction et ça va tout de suite partir. Voilà. Vous avez compris le principe, hein, c'est-à-dire que ben, l'eau, elle véhicule la couleur. L'eau véhicule la couleur que vous posez. D'accord. Là, je peux en mettre juste une toute petite pointe. Ah, vous voyez la différence? Là, je vais faire une tache et le papier est sec. Là, j'ai fait une tache et le papier est... Foncez bien au milieu comme ça. Voilà. Et ça va donner. Alors, ce pétale là me plaît pas trop. Prenez un sopalin et vous pouvez. Voilà. Autre effet, je n'ai pas mis dans le répertoire tout de suite, mais ça va le faire. Regardez par exemple. Montre, c'était trop pour moi, c'était trop foncé là, trop bien défini. Donc là, c'est encore humide pour moi. Ce que vous pouvez faire, vous prenez votre sopalin, hop, et vous posez tout simplement, et ça vous fait des effets. Vous voyez d'un coup là ce que ça a donné. Alors j'ai vraiment fait très peu. Vous voyez tous ces effets là. Voilà. Voilà, très bien. Alors ensuite, on va continuer. On a à peu près notre composition. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter pour créer de la perspective. Vous voyez, là, c'est comme un petit champ comme ça qui va vers l'horizon. On va prendre nos couleurs. Donc là, elles sont pas... Vous voyez, on en a très peu à la base, mais on a quand même une belle variété. Donc on va décliner, par exemple, ces couleurs-là, mais... en tâches de plus en plus petites et éparses, comme ça. Alors peut-être j'en ai rajouté un peu beaucoup, c'est bien d'être autocritique, hein, je sais, d'ailleurs on est tous jamais contents de ce qu'on fait, mais... Donc là, faites des petites tâches, des petites pointes aléatoires, pas trop régulières, comme si le jardin allait beaucoup plus loin, en fait. Donc des tâches plus grosses au premier plan, plus des petits points avec, voilà. Parfois vous pouvez mettre un accent d'une fleur bien un petit peu plus grosse ou plus comme ça. On va rajouter un petit peu de jaune. Je sens un peu d'espace pour en mettre du vert. Okay. C'est bon pour vous? La qualité du direct est très mauvaise. Vraiment? Je suis. Enfin, j'en doute pas, mais apparemment, tout se passe bien pour les autres. J'espère que ce n'est pas votre connexion et que le replay, de toute façon, vous pourrez le voir. Voilà. Ok. Très bien. Donc là, on va prendre un petit peu de vert et là, on va rajouter un petit peu des herbes. Je voudrais que ça soit. Donc là, essayez de que le papier soit avec le mélange. Hein, et vous allez rajouter pour donner du foisonnement des petits. Vous pouvez mettre des moments d'accélération et des moments de silence, de respiration. Faites aussi des contre-courbes, vous voyez. Là, j'ai fait une contre-courbe comme ça. Ou si vous faites un trait, vous le faites apparaître à un autre endroit, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça vous donne l'illusion que ça passe derrière. Hop. Là, je mets un petit peu de vert. Je pense par à cause du temps et tout ça, je vais le faire beaucoup moins chargé que ça, mais vous aurez les deux modèles au moins comme ça. Donc là, c'est un petit peu vide. Je peux revenir avec un tout petit peu de jaune pour faire des fleurs, les déclinaisons de ces fleurs. Voilà. Là, pareil, vous pouvez aller entre les zones vertes déjà déposées.
D'accord. Voilà. Ah, vous voyez que l'aquarelle, mais ça c'est pour tout, hein, que ce soit l'aquarelle ou n'importe quel médium pictural, perd légèrement, pas en couleur, en viscosité, mais en intensité, dû au simple qu'il n'y ait plus d'eau. Quand votre travail est humide, ben, il va plus, il va avoir une réverbération de la lumière, donc ça vous donne l'impression que c'est plus éclatant et que ça diminue un petit peu. Donc si vous trouvez que c'est un petit peu en dessous, vous pouvez revenir. Par exemple, là, je vais faire un vert un petit peu plus soutenu, parce que pour que ma composition à droite soit un petit peu plus. Voilà. Et si vous voulez, faire carrément un vert foncé. Hop. Ça vous fera. D'accord. Lui, je le trouve un petit peu en dessous là. Ça, c'est un peu risqué, là, ce que je fais, mais on va essayer quand même. Voilà. D'accord? Alors, petit à petit. Je vais vous montrer quand même cette grande qualité du papier. Je vais vous montrer un gros plan. Regardez. Vous voyez les fleurs jaunes du début. Donc, vraiment, on les a fait au début, il y a plus d'une demi-heure. Je vais rajouter de l'eau. Et je vais pouvoir retravailler encore la texture de mes pigments. Et c'est ça la grande qualité de ce papier. On y va. Je nettoie bien mon pinceau. Okay. Et je vais remouiller, par exemple, l'intérieur de ma fleur. Si je fais ça, regardez ce qui se passe. J'enlève de la peinture. Et si je la retire, vous voyez que le cœur redevient quasiment, alors pas à 100%, mais quasiment la réserve du papier. Et ça, c'est très intéressant. Ça vous permet d'avoir, de rectifier, là c'est sombre, là c'est clair, etc. Donc là, vous voyez, on fait un autre exemple. Ah oui, par exemple, on va éclaircir sur ça, par exemple, regardez. Vous voyez, cette fleur-là, je la trouve un peu, ah, elle est trop foncée, par exemple, tout ça. Regardez, je mouille là. Et hop, ça l'éclaircit. J'y vais doucement pour pas être et le papier le résiste, mais pour pas être agressif. Et vous voyez comme ça l'éclaire. Donc là, ça me permet de créer aussi des perspectives. Alors comme ça, l'eau c'est vraiment très bien. Je peux me permettre par exemple aussi de mouiller là, mais si j'appuie pas trop, ça va pas. Il y aura pas d'incidence non plus sur la couleur. Elle va pas disparaître d'un coup. Mais là, tout à l'heure, ça a un petit peu chuté. Je vais rajouter une pointe de noir dans mon vert pour faire le cœur. Voilà. Vous voyez la différence? Là, j'ai mouillé, là, j'ai pas mouillé. Donc, ça fait, vous savez, ça, on l'a vu plein de fois, extérieur d'une tache nette, papier sec, extérieur flou, papier humide. Hop. On va faire. Donc, on va faire des petites pointes légèrement plus foncées à certains endroits. Donc, là, c'est plus clair. Donc, là, vous avez bien vu. Mais si j'ai envie de refaire foncé, je peux remouiller là et mettre une petite pointe. Voilà. Alors, pourquoi ces petites pointes? Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça donne de l'éclat. Encore une fois, si vous voulez éclaircir une zone, c'est pas qu'un seul moyen, mais c'est une astuce, c'est de foncer les zones périphériques. Voilà. D'accord? Et donc, ça va donner de l'éclat. Et encore une fois, vous trouvez que c'est un peu trop? Hop, j'enlève un petit peu. Jouer. Alors vous pouvez tapoter avec un chiffon, avec n'importe quel objet pour retirer de la peinture. Donc là on va jouer sur cette zone là. Vous vous souvenez, on a fait nos petits donuts là, et je voudrais qu'il y ait l'intérieur de coquelicots un petit peu sombre. Donc là par exemple, moi je le vois, hein, là c'est encore humide, donc je vais faire ça, vous voyez, ça me fait des petits effets. Là par contre, ça a bien irisé, hein, par contre, je sais pas si vous voyez. Vous voyez quand j'ai rajouté le vert dedans, oui, tout ce que ça a fait comme effet un petit peu aléatoire. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez mouiller uniquement la zone intérieure du donut. C'est marrant, on fait un cours sur les fleurs et je parle de donut, c'est bizarre ça. Donc là, je vais prendre pratiquement du noir pur et je vais essayer de faire le comme si c'était l'intérieur de la fleur. En fait. Pour lui donner du
Et si j'avais fait tout à l'heure pendant que c'était humide, ben ça aurait les deux se seraient mélangés. Alors que là, ils se côtoient. Vous voyez l'intérieur là des fleurs? Ça donne vraiment de la profondeur. Là, je suis tenté. Hein. Je sais que ça peut-être ça peut faire peur, mais là, je suis tenté de mettre une pointe un tout petit peu sombre là, dans ces feuilles-là, dans ces fleurs-là, pour leur donner comme ça un effet. D'accord? Voilà. Rien ne vous empêche après, toujours avec la qualité de ce papier, de revenir. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien? Auriez-vous faim? Plein de questions pour les donuts. Mais où les fleurs, il y a des fleurs qui se mangent. Donc. Voilà, je vous montre un peu plus. Et je suis sûr que vos résultats ne vont pas du tout être comme les miens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura autant de... Vous êtes nombreux à nous regarder et on en est vraiment ravis hein, de votre fidélité. Et il y aura, je pense, autant de résultats différents. Alors, le ciel. On aurait pu faire le ciel avant, mais on va faire quelque chose. Alors, c'est un petit peu, ça peut être un peu périlleux. Enfin, il n'y a rien de dramatique. Mais on va essayer de faire quelque chose. Je voudrais qu'on s'assoie un ciel très, très évanescent, très doux, très léger. Donc là, on va faire quelque chose. Je vérifie bien quand même que mes zones autour, là, sont relativement sèches. Si c'est pas sec, je tapote avec là. Alors, surtout... Je vous préviens à l'avance, surtout de ne pas surcharger du tout. Prenez un bleu très léger. Votre bleu le plus clair. Et pour l'éclaircir, pas de blanc, évidemment. Voilà. Moi, je voudrais que ça soit un bleu aussi clair que ça. D'accord? On ne va pas faire un grand ciel. Ce que vous allez prendre de l'eau claire et votre pinceau plus large. Et vous allez un petit peu dessiner. On va finir cet ovale, là, comme ça, à peu près. Voilà. Juste avec de l'eau claire. Ne passez pas dans les fleurs et les feuilles. Un petit peu là pour que ça se mélange. Et que... Voilà. Regardez bien. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Je peux incliner, mais... Vous voyez ce que je suis en train de faire? Je vais mettre de l'eau un petit peu là. Dans les interstices, tout ça. Et surtout... de pas surcharger de bleu, surtout pas. Donc là, vous avez largement le temps de travailler, on a le temps. Voilà. Je mets de l'eau tranquillement. Voilà. Ok. Donc là, c'est assez humide, c'est pas une piscine non plus. Je sais pas si vous le voyez avec le reflet. Est-ce qu'à un moment, quand je vais tourner, vous allez voir un petit peu de... Peut-être. Mais enfin, en tout cas, vous avez vu le mouvement du pinceau. Et là, ce que vous allez faire des petites diagonales de bleu segmentées. Donc, vous allez prendre votre bleu. Moi, je vais me servir de ce bleu-là, parce que je sais qu'il n'est pas trop fort. J'en prends là un petit peu sur mon papier. Là, c'est trop fort. Faites toujours des essais sur un, toujours du brouillon à côté. Et là, ce que vous allez faire, c'est encore humide. Vous allez poser quelques taches de bleu, des petites séries comme ça. Très léger, le plus doux possible. Et si c'est trop fort, hop, un petit coup de soupape. Parce que si on a un jardin, bon, à moins que ce soit un jardin dans une serre, mais il y a souvent du ciel au-dessus, hein. Quand vous faites un paysage, si le ciel n'est pas le sujet principal de votre aquarelle, restez dans la suggestion du ciel, toujours. Et faites juste quelques touches. Avec peut-être parfois des accélérations. Et là, petite astuce, mettons, je vais mettre du bleu un peu plus foncé. Ouh là là. Qu'est-ce que vous en pensez, là? C'est drôle. Ça a créé une nouvelle fleur. Ah, c'est drôle, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je le laisse ou je ne laisse pas? Ah, c'est marrant, ça. Je ne vous conseille pas de le reproduire, parce que là, c'est un pur hasard. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je le laisse ou pas, ça, ce bleu? Je peux l'enlever, hein, j'ai du temps, mais... Est-ce que c'est devenu... C'est un ciel trop chargé? Ou est-ce que c'est devenu presque une fleur? Oui, c'est joli. On va le laisser? Là, c'est un peu too much, je trouve, là, quand même. Donc là, ben, comme tous les aquarellistes, on fait des erreurs, on se trompe. Là, on est en direct. Donc, je peux remouiller. Je peux le diminuer. Je vais le laisser là parce que c'est sympa. Là, et là, regardez ce qu'on va faire.
On va l'atténuer parce que je trouve que c'est un peu too much quand même là. Et je vais jusqu'à l'éclaircir jusqu'au bord. Voilà, peut-être faire ça un petit peu et que ça va passer un petit peu derrière. La jonction est un peu nette. Et je vais faire bien au bord pour croire que le ciel passe derrière. Après, il y aura peut-être des avis, est-ce que vous aimiez avec ou sans. Mais c'est pour vous dire, personne n'est à l'abri, moi le premier, parce qu'il y a des effets que j'ai pas prévus. Ben, il y en a plein que j'ai prévus parce que à force de les faire. Mais là, par exemple, j'ai trop mis de bleu. Ça a été, je me suis dit, ouh là là, c'est la catastrophe. Mais c'est jamais la catastrophe. Hein. On peut toujours revenir. Et là, allez, on va faire un. J'avais fait un petit soleil couchant. Reprenez un petit peu de jaune là. Et de rouge là, et encore dans l'humidité là, vous pouvez faire très léger, hein. Soyez vraiment super léger. Ok, je sais pas si attends que ça sèche, on aura le temps de faire quelques oiseaux. Mais... Donc là, regardez, si vous avez la patience d'attendre encore un tout petit peu, je pense encore 5 minutes de voilà. Donc là, vous voyez, mes taches là, elles sont un petit peu claires, voilà, mais j'ai déjà un ensemble assez doux et cohérent. Le bleu, plus on sait, ressemble à un papillon. Ben voilà, oui, très bien. Très bien. Voilà. Diminue la tâche à droite. Ouais, là, je continue un petit peu, là. Je vous fais confiance pour faire ça. Je vais vous montrer une petite astuce aussi, qui peut être très sympa. Vous n'êtes pas obligé de la faire, hein, vraiment. Mais vous prenez de la couleur. On va prendre un petit peu de jaune, bleu, vert, pas très. Et là, vous mouillez bien le... Le pinceau, je vais vous le faire quand même. Tu peux me tenir 2 secondes, s'il te plaît. Merci. Vous allez faire ça en fait. Ça peut être risqué. Faites des essais sur un. C'est ça. Faites des essais sur un brouillon comme ça. Vous pouvez le faire avec une brosse à dents, mais comme on faisait à l'école. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut donner un côté. Vous l'avez vu. Voilà. Ça peut donner un côté aléatoire. Faut pas en abuser non plus. Hein, mais ça peut donner pas mal en fait. Juste, n'en abusez pas trop quand même. Voilà, pas trop là non plus. Alors, il est quelle heure? Il est bientôt 5. Moi, ces fleurs-là, je les voudrais plus rouges. Je les trouve un peu. J'étais un petit peu trop prudent même. Donc là, l'avantage du papier, je peux remettre de l'eau, je ne perds pas la couleur, mais là, je peux rajouter de la couleur. Et ça, c'est très agréable. Et ça, tous les aquarellistes, les collègues, les gens qui travaillent aussi avec Canson font des retours sur les papiers qu'on utilise, hein, quand les nouvelles séries, les nouveaux modèles, etc. Eh bien, on peut retravailler comme ça. Voilà. Donc là, je mets un peu plus d'éclat. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est à votre propre jugement. Là, je voudrais que ça soit un tout petit peu plus foncé aussi. Donc là, je vais rajouter un peu de pareil d'eau claire. Voilà, juste là. Et je vais rajouter mon petit mélange là. Voilà, hop, voilà. D'accord. Alors là, je vais faire des petites finitions. Là, je vais peut-être sans décrire, mais vous allez voir faire. Il faut fermer à droite, je trouve que c'est un petit peu. Il n'y a pas assez de couleur un peu sombre sur la droite, en bas à droite. Là, le cœur, là, il faudra un petit peu plus de. Là, je vais en profiter, je vais faire des petites taches un petit peu. Si ça allait un peu vite, hein, il y aura le replay évidemment. Sachant que là, la séance s'arrête, mais vous pourriez. Regardez là. Allez, on va faire. Vous voyez là?
J'ai remis de l'eau. On va là se faire se balader un peu. Regardez, c'est-à-dire que là, vous ne travaillez. Ouais, je vais mettre une goutte. Regardez. Vous voyez la goutte là? Qui tient là? Je vais la mettre là, là. Et ça va faire un effet. Un peu de feu d'artifice. Si vous trouvez que c'est trop, on retire. Ça, c'est vraiment votre jugement. Mais toujours, ça va garder cette légèreté. Donc là, il y a deux modèles totalement différents. Ouais, j'avais. C'est un modèle inventé, mais nous voilà. Autre chose. Après, j'ai rajouté des petites choses. Voilà. Alors, celui qu'on a fait aujourd'hui est beaucoup plus doux, on va dire, plus léger. J'ai passé moins de temps. Là, c'était aussi un modèle pour faire plein d'essais. Il y a des choses que j'ai pas refaites à l'identique parce qu'on apprend à chaque fois. Là, j'ai rajouté beaucoup de verre. Là, j'ai mis des petits trucs. Mais là, je l'ai pas fait. Vous pouvez le faire. Vous pouvez. Là, vous voulez qu'on le fasse un tout petit peu avant de passer quand même très légèrement. Vous pouvez faire comme si c'était des feuillages, mais c'est vraiment votre appréciation là. Vraiment à votre appréciation. N'hésitez pas à faire confiance à votre goût en la matière. Ok? Voilà, donc on a deux modèles. On les repostera de toute façon, vous avez là. Vous avez un modèle assez chargé et là, un peu plus léger. Voilà. C'est bon pour tout le monde. Je vous redonne. Alors, je vous refais un petit zoom sur le modèle présenté. Comment on l'a fait? Voyez, là, oui, je vous avoue, pour préparer le cours, j'ai des petits points, j'en ai mis beaucoup plus. J'ai mis des petits oiseaux, mais c'est vraiment pas nécessaire non plus, si vous voulez. Et là, mes plantes sont un petit peu plus détaillées. Et là, aujourd'hui, on a quelque chose de plus aquarelle, j'allais dire, mais plus doux. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster vos travaux. On sera ravis, je serai ravi de les voir. Petit récapitulatif de notre travail d'aujourd'hui. Attendez, on va faire ça. Quand même. Oups là. Je ne vais pas faire de bêtises pour pas trop incliner les feuilles. Alors, on a utilisé notre papier canson. Grain fin, 300 grammes de chez Monval. Voilà, rapport qualité-prix, qualité, c'est quelque chose. Vous avez vu tout ce qu'on a fait, les retouches, c'est quand même un support très très agréable. Vous avez ces boîtes d'aquafine travel qui tiennent dans un petit sac à dos, un sac à main, une poche même de veste. Et nous avons ces pinceaux, là, qui sont dans une gamme de prix un tout petit peu au-dessus, évidemment. Mais je vous assure, vous allez gagner parce que ben moi je les utilise depuis plusieurs années, mais je les ai pas changés quoi, parce que ça c'est des poils synthétiques qui ont la même réactivité et la même qualité que des très bons poils de martre. Voilà, juste pour vous montrer un tout petit peu une chose. Toutes ces techniques, vous pouvez faire après. On n'aurait pas eu le temps de faire cette fleur en une seule séance. Vous voyez, par exemple, je sais pas si vous le voyez. Voilà. En fait, ça c'est une fleur qui a été dessinée dans mon ouvrage, Aquarelle, je me lance. Mais si vous voyez bien, c'est que tout ça, c'est le même principe. C'est-à-dire une forme, on met de l'eau et on pose des petites touches. Voilà. C'est juste un truc de minutie et de patience. Mais après, ça peut être purement personnel. Donc, j'en profite pour vous montrer, oui, ces deux ouvrages, Peindre les oiseaux aquarelles, où là vous avez aussi tout le matériel, notamment les papiers canson, les pinceaux, vous retrouvez les pinceaux Neptune et Aqualite là-dedans. Écoutez, mais je vous remercie tous pour cette séance. Hop, je vous montre tout ça. Vous avez le tirage au sort pour le concours. Et je vous souhaite une belle fin de journée et de belles créations. Je remercie Claire et Joseph de m'avoir accompagné et aidé pour cet atelier. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous. Revoir tout le monde.
j'ai pas encore décroché. Ces collections, les livres sont aux éditions Massin. Voilà. Je vous donne rendez-vous. De toute façon, vous pouvez les trouver. Voilà. À mon nom. Merci à tous. Voilà, je dis un petit peu. Sylvie, Brigitte, merci. Nathalie. Et un grand merci à vous. Voilà. À très, très bientôt. Au revoir.